Alors, salut. Aujourd'hui, on se retrouve là aussi dans la troisième partie, celui de faire le rendu de ce bâtiment. Donc, vous allez voir avec moi tous les processus, les étapes, comment s'y prendre. Donc, pour le moment, on va essayer de convertir d'abord le logiciel de HCAD vers SketchUp. Donc, pour cela, voilà. On laisse que ça se convertit. Quand même, ça sera un peu rapide. Ok, ça s'est converti. Donc, on part, on ouvre le logiciel en question. Donc, je vais fermer d'abord le logiciel HCAD et je pars, j'ouvre le fichier en question. Je l'ouvre dans SketchUp du JUT, malgré que j'ai 19, mais je veux travailler dans du JUT. Voilà, ok. Après, on va positionner très bien notre bâtiment, voilà, et on va essayer d'aménager en apportant une toiture là. Donc la première des choses, il faut essayer d'aménager ton bâtiment, le mettre dans un environnement vraiment réaliste. Donc c'est ce que nous allons faire. Ok, voilà, on le positionne bien. Ok. Donc, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Et si la vidéo te plaît, parce qu'on a commencé la vidéo, c'est notre troisième partie. On a suivi la première partie, la deuxième partie. Si tu n'as pas suivi encore, je te conseille d'aller suivre. Et si la vidéo te plaît, voilà, il faut aimer la vidéo en cliquant sur le bouton j'aime. Et il faut commenter, j'ai besoin de tes critiques, de tes suggestions. Et si tu as des questions à me poser, n'oublie pas de les mettre dans les commentaires. Voilà. Voilà. On va essayer de le traiter dans virer les matériaux. Je vais apporter ce matériau-là pour la dalle du sol. On va essayer de donner un peu l'échelle. Ok, ça va. Je crois bien. Ou bien on peut l'augmenter quelque chose. Je sais pas. Voilà, je crois bien c'est mieux. Et là, nous allons augmenter un peu la réflexion. Ok. Ok, je crois bien c'est pas mal, non? Ok, et on va essayer, voilà, de prendre ce matériau et nous allons un peu le rendre un peu gris, voilà, gris un peu foncé. Je crois bien, voilà. Pas mal, j'ai diminué un peu. Ok, voilà. Ok, je crois que c'est bon. Je vais réfléchir notre matériau. Voilà, je le réfléchis très bien. J'augmente aussi la réflexion aussi. Voilà. Je diminue. Hop. Voilà, je crois bien c'est mieux. On va prendre le matériau vert. Nous allons le rendre encore plus transparent et plus réaliste. Voilà. Je vais mettre très bien. On laisse que. Voilà, l'élément ça résiste. Bon. Ok. Et j'augmente un peu la réflexion et je vais bien réfléchir aussi un peu pour une deuxième fois. Donc j'ajoute une autre couche de réflexion. Ok, ça va. Je prends la couleur du bâtiment. Je veux que ce bâtiment soit bien blanc. Donc
Donc je mets la couleur en blanc. Ok. Je le mets en blanc. Je le mets en blanc. Ok. Je crois bien, je vais décocher, voilà, et que la couleur blanc la reste. Je rafraîchis bien. Voilà. Et je prends, voilà, le matériau de la porte, qui est le vitrage. Je vais le rendre bien transparent aussi. Et j'augmente la réflexion. Voilà. Ok. Donc pour ceux qui voient que pour les débutants de verre, je te conseille, j'ai fait des tutoriels pour les débutants dans verre, c'est-à-dire tout ce qui est base de verre et jusqu'à un niveau élevé. Là, si tu vois que tu comprends pas encore, je te conseille d'aller voir ces autres vidéos que j'ai faites. Voilà, et je vais même les mettre dans la description. Tu pourras juste cliquer et voir ces vidéos. Donc ça te permettra d'être un peu voilà, d'élever un peu ton niveau de verre. Voilà. Donc pour les autres, on continue. Je te rappelle encore, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si la vidéo te plaît, voilà, il faut l'aimer. Et j'ai besoin de vos critiques, de vos suggestions surtout. Voilà. Je veux que vous participiez vraiment. Vous participez. Et la meilleure façon de participer, c'est de mettre ses suggestions, ses critiques dans la partie commentaire. Voilà. Et si aussi vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Ok. Je crois bien que c'est pas mal. Ok. Positionne encore très bien. Ok. Voilà, je vais changer un peu le matériau de la terrasse. En prenant une couleur, je crois bien gris. Il y a des marches aussi. Ok, voilà, je crois que c'est pas mal. Ok. Essayer de mélanger, apporter de la verdure, c'est très important. Bien, voilà, je vais d'abord mettre cette lampe, je crois bien. Je vais apporter d'abord les lampes
Après quoi, je place la verrue. Je crois que c'est mieux. Donc, je sais pas, je prends quelle lampe. Je crois que je vais prendre ce dernier. Voilà. Je supprime ce dernier. Et je pars, je prends la lampe, je le place très bien, je le place sur le mur, je crois bien. Ok. Et j'augmente un peu sa taille. Voilà. Translate et je le copie sur l'autre paroi aussi. Voilà. Je l'amène aussi sur les autres parois de mon choix. Je crois bien pour aller un peu plus vite, je fais ça rapidement. Voilà, vous allez voir le produit fini. Ok. Après, je mets les lampes aussi de l'autre côté. Bien pour gagner en temps, je vais faire ça rapidement. Je vais repartir les lampes. Voilà, ok. Voilà, je crois bien, c'est pas mal. Voilà, après, c'est pas voilà. Je vais essayer de prendre les lampes, les spotlights, et je vais placer ces spotlights sur mes différentes lampes. Voilà, je place ici. Et voilà. Ok. Et je place aussi de part et d'autre. Voilà. Ok. Il suffit de sélectionner et d'aller copier sur les autres aussi. Ici, je crois bien, c'est bon. Voilà. Et je vais essayer de changer le matériau de la boîte de la lampe en prenant quelque chose de gris. Voilà. Voilà, n'oublie pas vraiment de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et d'aimer la vidéo si ça te plaît. Si ça te plaît pas aussi, il faut l'aimer. Voilà. C'est une manière de que YouTube puisse bien référencer mes vidéos. Voilà. Je vais essayer de d'éclairer l'intérieur en apportant deux LEDs. Ok, voilà. Cette lumière
Je quitte de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je vais bien placer. Voilà. Je prends le matériau des fenêtres et des portes. Je vais le rendre un peu gris. Donc, pour cela, pas. Sais pas, je prends quel matériau gris. Voilà, je prends ce dernier. Je bien. Vais le rafraîchir lui aussi. Ça aussi. Voir les lampes. Donc, je vais changer la couleur des lampes. Là, je vais mettre la couleur jaunâtre. Hein. Je crois bien. Et je vais apporter de la verdure maintenant. Vais le positionner bien en cliquant sur l'outil rotation. Je vais changer un peu, voilà, le sens de la vision et je vais repartir selon ce que je veux. Allez. Après ça, je prends l'autre verdure, je l'accroche au niveau du plafond de l'étage là-bas et j'essaie d'apporter l'autre verdure aussi. Voilà, c'est très important l'aménagement. Ça contribue énormément à la qualité de votre rendu. Si vous voulez que votre rendu soit réel, prenez votre temps à bien aménager, à créer un environnement réaliste, c'est très important. Voilà. Je vais apporter d'autres verdures, c'est pas quelque chose comme si les feuilles, voilà, les feuillages
de ce arbre tombé. Donc pour ça, je crois bien ce serait mieux comme ça. C'est pas l'arbre aussi. Je l'ai un peu éloigné, je vais l'approcher de l'autre côté, mais je vais voir ce que je peux faire pour ça. Là, pour que c'est les feuilles que j'ai fait tomber là, pour qu'on sent que c'est réel. Voilà. Bien que là, je crois bien. Je vais apporter d'abord l'autre fleur, après je vais régler ça. Okay. Et je supprime l'autre panneau là. Okay. Voilà. Je vais diminuer l'échelle un peu. Positionner bien. Ok. Voilà. Maintenant, je peux prendre les autres arbres, je vais bien les positionner. Voilà. J'approche mon nom. Voilà. Bon. Voilà, ça prouve que je suis l'auteur vraiment de tout ça. H Delphin. Ok. Voilà. La meilleure façon d'apprendre, je crois, mais c'est de copier. C'est très très important. La meilleure façon de quelqu'un d'apprendre, commence par copier. Donc quand tu copies un élément, ça te permettra de faire aussi le mieux de toi-même à la prochaine fois. Ok. Je le positionne très bien. Voilà. Ok. Ok, je crois bien, c'est pas mal. Et je vais essayer de lancer le rendez-vous. Que ça va donner. Voilà, je crois bien c'est le rendu. Voilà, une fois que ce rendu fini d'enverrer, je vais essayer de l'importer dans Photoshop. Là, je vais faire de retouches et vous allez voir encore de plus en plus le bâtiment va être réel. Voilà, il y aura de réalisme sur le bâtiment. Voilà. Donc, vous allez voir le produit fini d'enverrer. Ok. On attend que le rendu fini. Ça ne va pas prendre assez de temps. Voilà. J'espère que la vidéo là t'a vraiment plu. Si c'est le cas, alors il faut aimer la vidéo en cliquant sur le bouton j'aime et partager, surtout commente la vidéo. J'ai besoin de tes suggestions, j'ai besoin de tes critiques. Voilà, c'est très important. Et si tu n'as pas compris une partie, tu me laisses ça dans les commentaires. Ok, on attend juste que le rendu touche à sa fin. Ok. Ça sort un peu, je crois bien. Il suffit d'attendre.
Après cette vidéo, il y aura la suite de la vidéo qui serait la dernière partie au niveau de retouche dans Photoshop. Voilà. Après cette vidéo, tu peux aller consulter aussi l'autre vidéo pour voir comment je m'y prends dans Photoshop et aussi t'apprendre. Voilà, très important. Ok, donc c'est dans Photoshop. Je vais essayer d'apporter d'autres verdures réalistes, le personnage réaliste. Voilà, et essayer de régler le contraste, la luminosité. Voilà, les balances, tout ça. C'est dans Photoshop. Je vais régler ça. Donc vous voyez que ça commence à sortir. Voilà, et là je crois que le rendu touche à sa fin. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Il suffit que je puisse enregistrer. Ok, voilà. Voilà, donc à la prochaine dans la dernière partie qui est la partie 4. Donc merci et à plus.